Vous êtes des grands malades. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e concours sur la chaîne. Et comme dit précédemment, vous êtes fous. Non mais fous alliés, hein. Voici vos réponses. Oui, voici la liste de tous les jeux que vous m'avez cités parmi les dizaines de mails. Autant vous dire que je me suis amusé à faire ce tableau. Non mais profitez, hein. C'était vraiment long à faire, donc allez-y. Prenez votre temps, retrouvez votre jeu avec votre doigt et tout. Voilà, essayez de deviner quels sont les autres. Voilà. Je la remettrai en fin de vidéo, je trouve que l'image donne bien. Merci en tout cas pour tous vos mails, ça m'a fait énormément plaisir. Chacun y allait de sa petite histoire et de son petit commentaire, cela m'a vraiment touché. Passons maintenant aux gagnants de cette semaine et aux différents jeux qui sont à remporter, qui étaient un mystère pour vous, je vous rappelle. On commence par Freeze 43230. Ok. Bravo à toi, tu remportes une clé Steam pour Gunman Clive 2, dont voici un extrait. En deuxième, nous avons... Attendez. Ouais, c'est bien ça. Première fois sur la chaîne qu'un participant remporte une deuxième fois un jeu, qui plus est de suite. Oui, il s'agit de Glad Gamer. Alors, je regarde vite les règles. Oui. Oui, il a le droit de gagner deux fois. Ouais. Bon, bravo à toi. Tu remportes une clé Steam pour Super Ubi Island Remix. Donc, voici aussi un extrait. Et enfin, le dernier étant un joueur qui a répondu à peine 15 minutes avant la fermeture des votes. Il s'agit de Régis. Bravo à toi, tu remportes une clé Steam pour Dark Arcana The Carnival, dont on voit également un extrait. I had a bad dream about a very evil place. And now my mommy is lost. You're very persistent, detective, but so am I. You have to stop them. What in the world? Tous les trois jeux que vous avez remportés auront droit à un let's play sur la chaîne dans les jours à venir. Cela deviendra récurrent sur les petits jeux qu'on vous proposera en concours. Je tiens juste à préciser une chose, cela ne sert à rien d'écrire que vous participez dans les commentaires YouTube. On les prend pas en compte en fait pour le tirage. Seuls les mails comptent pour ça. Donc pensez aussi à mettre dans le mail, le, par exemple pour la question de la semaine passée, quel était votre jeu. Parce qu'il y en a beaucoup qui nous ont envoyé juste des mails avec « je participe ». Du coup, on ne pouvait pas vraiment les considérer comme des réponses et on a quand même été vérifié que « je participe » n'était pas un jeu, quoi. Une chose est sûre, je ne ferai plus de questions aussi ouvertes, sinon vu le nombre de mails de participation qui augmente, je risque de prendre une semaine rien que pour y répondre. Donc cette fois-ci, on vous propose une clé Steam, mais toujours sur un jeu mystère. Mais, cette semaine, on ressort un vieux dossier, on déterre la hache de guerre encore une fois, la question va sûrement créer des conflits entre abonnés. La voici, êtes-vous plus un joueur console ou un joueur PC? Attendez. Pas de guerre dans les commentaires, pas d'insultes, c'est bon enfant comme esprit, comme débat, etc. Enfin... pas totalement, car pour remporter le jeu de la semaine prochaine, enfin, ça encore, on va revenir à la fin, le tirage se fera sur un clan ayant le plus de réponses. Oui, même si tu as choisi un des deux, et tu penses pouvoir gagner, bah si ton choix n'est pas le plus voté, et bah tu l'as dans... Tu connais le principe, tu envoies ta réponse sur ce mail. Autre détail non anodin, c'est un concours sur deux semaines, car je pars en vacances en fait, et j'ai hâte de voir vos réponses à mon retour. Le délai de participation est donc jusqu'au samedi 13 août à minuit. Bonne chance à tous, encore désolé du retard, c'était vraiment une erreur de ma part hier après-midi. À la prochaine. Tu as aimé la vidéo? Tu peux t'abonner à la chaîne, nous mettre un pouce en l'air, nous suivre sur Facebook, Twitter et Steam. On a une page Tipeee aussi si tu as une âme charitable. Tu trouveras tout dans la description. On te donnera un cookie. Ciao tout le monde.